Bonjour, je m'appelle Marie Connac. Bonjour, je m'appelle Diane Notaire. Je suis directrice du Bachelor in Tourism and Hospitality. Diplômée d'un Bachelor en Management du Tourisme, coordinatrice des ventes dans un hôtel Thalasso du groupe Accor. Dans le secteur du tourisme, nous allons former à la grande transversalité de ces métiers, aussi bien les métiers de l'hôtellerie, du voyage, de la destination, de l'événementiel. C'était la reconnaissance d'un diplôme. Aujourd'hui, c'est quand même un sésame qui ouvre beaucoup de portes, que ce soit au niveau national ou international. Que ce soit du marketing, de la communication, de la commercialisation. Nous formons les étudiants à l'ensemble de ces métiers dans cette grande industrie qui est le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. C'était aussi savoir qu'il y avait un service d'accompagnement, que ce soit à la connaissance de soi, mais même aussi à l'insertion professionnelle. La relation entre les étudiants et l'équipe pédagogique est extrêmement importante pour nous puisque nous sommes là pour les étudiants. J'ai la chance de rencontrer dans mon parcours des personnes aussi bien dans l'encadrement pédagogique que dans les cours. Des personnes qui étaient hyper bienveillantes, des personnes qui sont investies dans l'insertion professionnelle et le développement personnel de chaque étudiant. Le Bachelor in Tourism and Hospitality permet également d'avoir un double diplôme avec des universités. On est dans un monde où effectivement il faut savoir se vendre, où c'est très compétitif. Aujourd'hui tout le monde cherche à évoluer professionnellement, donc avoir un diplôme en école de commerce c'est toujours un plus. Le double diplôme est intéressant puisqu'il permet effectivement une reconnaissance par l'État via une licence de l'éducation nationale. Et nous bénéficions aussi au sein de La Rochelle Tourism and Hospitality de la certification TEDQUAL délivrée par l'Organisation mondiale du tourisme.